beaucoup. Bah écoutez, bienvenue pour ce nouveau vlog et on commence tout de suite avec les cerisiers en fleurs. Oui, parce que je vous emmène avec moi pour aller voir un temple que je connaissais déjà, que j'avais visité il y a 6 ans. Et comme j'avais visité en plein été, mais je me rappelle surtout de toutes les marches et j'avais été jusque tout en haut. Donc aujourd'hui, j'aurai pas forcément le temps de tout faire, mais je vais déjà vous en montrer une partie. Et puis surtout, je voulais déjà voir les tout premiers cerisiers en fleurs parce que à Takamatsu même, ils arrivent bientôt, mais ils y sont pas encore. Et donc là, effectivement, bah écoutez, je vous laisse profiter avec moi. Et puis après ce petit trajet, bah on va reparler lecture. Pour arriver au temple principal, j'avoue, je suis crevée. En plus, il fait super chaud. J'ai eu la mauvaise idée de mettre bon un petit pull, mais un gros manteau au cas où parce que je suis partie tôt le matin. C'était pas une bonne idée du tout. En attendant, la vue est magnifique. Et d'après ce qu'ils disent, il reste plus que 69 marches. Donc ça y est, c'est bon, on arrive. Par contre, comme je disais, le sanctuaire qui est tout en haut. J'aurai pas le temps d'y aller cette fois-ci, mais parce que j'ai encore des choses à faire cet après-midi. Mais on ira une autre fois, vous en faites pas. Et puis j'y avais déjà été la première fois. Et en fait, il n'y a rien de spécial à part la vue. Et il y a un visage de Tengu qui a été sculpté dans la roche. Donc en fait, c'est plus, on va dire un cheminement pour aller jusque là-bas. Voilà. Bon, par contre, on est content quand on arrive. Hein. Sinon, une petite chose pour ceux qui viennent au Japon, si vous avez envie de faire du sport et que vous ne savez pas où aller, vous visitez un temple. Voilà. Quel que soit le temple, je crois que 95% d'entre eux ont plein de marches. Donc vous en trouvez un et vous aurez votre footing. En plein soleil, je n'y vois rien du tout. Je fais quand même une petite pause parce que là il va falloir redescendre et l'air de rien avec toutes ces marches pour les genoux. Pour moi personnellement, je trouve que la descente est un petit peu plus compliquée que la montée, parce que la montée faut juste faire des efforts quoi. La descente par contre, faut y aller mollo si on veut pas se flinguer les genoux. Et bref, on s'en fout, mais comme d'habitude, j'ai acheté ma petite calligraphie. Alors j'avais oublié mon livre pour faire les calligraphies dessus, mais certains temples à cause du corona et d'autres comme ici parce qu'aussi ils ont beaucoup de personnes, en fait ils le font directement sur un papier séparé qu'après toi tu dois coller sur ton petit livre de calligraphie. Et pour la première fois je me suis acheté aussi une flèche. Vous savez, ils font des flèches pour le jour de l'an qui est censé porter bonheur pour la nouvelle année et sur lequel un emma est accroché. Vous savez, les emmas, ce sont les petites tablettes en bois qu'ensuite ils accrochent ici dans les temples. Mais sur celui-ci, en fait, vous pouvez le prendre à la maison. C'est censé vous porter bonheur et vous pouvez faire un vœu justement pour que ça se réalise. Pourquoi je l'ai pris? Parce que sur l'emma, il y a un lapin, parce que c'est l'année du lapin. Et en général, ça représente le temple. Hein, donc pour une fois, ça représente l'année. Et pour moi, en fait, ça veut dire quelque chose tout simplement parce que mon tout premier voyage au Japon, je suis venue au début de l'année du lapin, il y a 12 ans.
Et d'une certaine façon, en fait, j'ai l'impression qu'en revenant sur l'année du lapin, j'ai terminé un cycle et que j'en commence un nouveau. Donc, d'une certaine façon, j'espère que ça va me porter bonheur pour la suite, pour toutes les nouvelles choses que je vais essayer de faire. Et puis voilà, tout simplement. Ben, je vous montrerai ça parce que là, je suis pas assise et j'ai le sac au niveau du coude, donc c'est pas pratique pour tenir le téléphone. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis, ben, écoutez, on va redescendre tranquillement. En plus, la vue est vraiment magnifique. Je me rappelais pas, par contre, que la vue était déjà aussi belle juste depuis le temple principal. Et du coup, je commence à me demander, mais comment était la vue quand j'étais tout en haut? Ça devait être un truc assez vertigineux, en fait. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je pense que je reviendrai pour aller tout en haut sur une saison où il fera peut-être meilleur, peut-être en automne. En automne, ça doit être vachement sympa. Et puis, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse avec mes délires touristiques. Et puis, bah, on se retrouve un petit peu plus tard. Ah oui, et j'ai complètement oublié de vous préciser pour ceux que ça intéresse, puisqu'on fait dans le tourisme, hein, à partir de la gare de Takamatsu, pour venir ici, c'est entre 30 et 40 minutes selon le train que vous prenez. Voilà, donc franchement, forcément, le plus gros, c'est toute la marche que vous faites et après la montée. Ça prend du temps. Mais pour venir ici, franchement, si vous êtes dans le Shikoku et à Takamatsu, ça va vite et puis il y a des trains sans arrêt. Hein. Donc franchement, si vous venez dans la région, n'hésitez pas à venir dans ce temple-là précisément, parce qu'il est, personnellement, je trouve qu'il vaut le coup. Et puis les images, je pense, vous permettront de savoir si oui ou non, vous aussi, ce genre de choses vous intéresse. Tester un chemin qui soit pas plein de gens, alors pourvu que je ne me perde pas. Voilà, croisons les doigts. Et en fait, maintenant que je vois ce chemin, je pense que c'est par là que j'étais passée la première fois que j'ai visité ce temple, parce que je me rappelle être passée par la forêt pour essayer de trouver un raccourci et que je m'étais étonnée qu'il n'y ait personne d'autre que moi. Il me semble bien que c'était par ici. Restons dans les conseils. Maintenant que je suis en train de terminer, c'est effectivement par là que j'étais passée quand j'étais venue pour la première fois. Et bah, écoutez, très sincèrement, je pense que c'est beaucoup plus facile parce que le trajet est plus long en passant par ici, mais ce ne sont pas des marches. C'est-à-dire que c'est juste la montagne qui monte, donc du coup, vous ne tirez pas autant sur vos jambes. En plus, il y a des bancs avec un petit truc d'eau pour faire des pauses, pour rester sous les arbres. C'est hyper agréable parce que du coup, il y a de l'ombre tout le long. Selon la saison à laquelle vous venez, moi sincèrement, je vous conseille de monter de ce côté-là. Par contre, l'entrée n'est pas forcément facile à trouver. J'essaierai de voir s'il y a moyen de le noter quelque part. Mais à ce moment-là, dites-moi si ça vous intéresse. Mais effectivement, moi, je vous dis, en fait, ce côté-là, c'est vachement mieux. C'est peut-être pour ça que la dernière fois, j'ai réussi quand même à grimper jusqu'au sommet. J'étais crevée, hein, faut pas déconner. Mais j'ai l'impression quand même que j'étais pas aussi crevée quand j'ai atteint le temple principal. Voilà, et je pense que c'est la raison, en dehors du fait que c'était l'été et qu'on crevait de chaud, mais oui, je pense que c'est en fait beaucoup plus facile ici. Pourtant, c'est plus de distance, c'est quand même des efforts, faut pas déconner, mais beaucoup mieux si vous voulez essayer de faire la totalité du truc. À noter. Voilà, c'est ici que l'accès par la forêt commence. Je vais essayer de vous noter ça sur Google Maps au cas où. Donc la fameuse calligraphie du Kompilasan où je suis allée hier. Et la fameuse flèche du premier de l'an avec, hop, on va se mettre là pour pas que ça soit contre-jour. Voilà, donc c'est une flèche avec la petite tablette votive en bois avec des lapinous. Voilà, et donc ça ressemble à une flèche. Mais vous la verrez mieux de toute façon une fois qu'elle sera installée, hein. Allez, c'est le dernier. Et pourtant, je sens que je vais encore effacer des trucs. Là, on dirait que j'ai foutu le drapeau italien. Bref, là, encore nettoyer une partie. Putain, qu'est-ce que j'aurais pu gratter ces meubles. Mais on arrive au bout, c'est le dernier. Allez, petit à petit, on avance. Bon, j'ai fait quelques ratés quand même. Je me rends compte qu'il y a des coins, là, c'est bon, là, c'est bon. Puis là, au milieu, j'ai oublié.
Bah, c'est ce qui arrive quand on fait maison, donc je réparerai après. Voilà, donc la lumière du jour, bon, c'est pas encore complètement rangé, hein, mais ça vient, ça vient. Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'avec les couleurs que j'ai utilisées, il n'y a pas forcément. En fait, on ne voit pas forcément complètement ce que j'ai fait, mais ça dépend de l'éclairage, en fait. Voilà. Donc, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Et puis maintenant, je vais vous montrer la chambre. Alors, on a un peu de mal à voir avec cet éclairage. Ah, c'est pareil, hein, ça commence un petit peu à être rempli et un peu plus rangé, même s'il y a encore des choses à droite à gauche. Mais ça commence à ressembler à ce que ça doit ressembler quand on a un appartement un petit peu rangé et pas qu'on est en plein déménagement et des cartons. Voilà. Alors sinon, vu que je voulais commencer à jardiner un petit peu, je dis bien entre guillemets, hein, mais sur mon balcon, j'ai découvert en fait ces petits pots prêts à planter que j'ai trouvé super mignons et puis en fait qui comportent des plantes que je comptais pas forcément planter. Donc, entre autres, il y a l'Apple Mint. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme plante en français. Hein, donc, Lemon Balm, parce qu'apparemment ça peut s'utiliser dans du thé. Donc c'est vraiment juste pour tester, pas seulement parce que c'est mignon, hein, mais parce que c'est vrai que les herbes et les tomates, surtout, que je voulais planter de toute façon, ça je vais les faire vraiment en pots normaux. Ça c'était un petit peu plus, voilà, pour avoir quelque chose un petit peu plus fantaisiste. Coucou, eh ben, écoutez, je vous reprends pour une nouvelle petite expédition parce que je dois me rendre sur Okayama qui est sur l'île principale de Honshu et tout simplement parce que je dois aller chez Lush. Voilà, parce que chez Lush, ils ont des produits qui sont plutôt bons pour mes cheveux frisottés et qui, au Japon, c'est plutôt difficile de trouver des trucs pour pour ce genre de cheveux. Donc, bah écoutez, je vais vous prendre avec moi et puis, comme bah, de toute façon, on est toujours dans les cerisiers, donc je vais voir s'il y a peut-être deux, trois petites choses pour se balader. De toute façon, on y retournera à l'occasion pour vraiment visiter des choses, mais je me dis, allez, on va continuer. Comme ça, on va essayer d'insérer un max de cerisiers dans cette vidéo. Il y en aura peut-être dans l'autre aussi, parce qu'à mon avis, je vais en voir plus que pendant 2 jours. Et puis, bah écoutez, sur ce, on se retrouve un petit peu plus tard.
récupère pour vous parler de la malédiction du Cecil Hotel de Sonia Liu que j'ai terminé et que très sincèrement j'ai absolument adoré. Je vous en avais déjà parlé un petit peu dans mon vlog précédent par rapport au démarrage, par rapport à tout ça. C'est vrai que sincèrement c'était bien parti pour me plaire, ça me plaisait déjà dès le début et en fait ça n'a fait que me plaire de plus en plus, voilà. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit claire, elle soit concise. Faut que j'arrête de pivoter sur ma chaise là. Je suis comme les gamins moi. Bref, mais en fait tout ça pour dire qu'effectivement j'aime beaucoup ce côté clair, concis, précis et surtout du fait de nous donner les faits tels qu'ils sont et surtout en détail. C'est-à-dire que tout ce qui a été vérifié, elle nous le donne. Tout ce qui est sous forme d'hypothèse, elle nous le donne aussi et ensuite elle nous donne elle ce qu'elle en pense, mais c'est toujours très argumenté, très bien expliqué. Après on en fait ce qu'on veut, mais ce que j'adore aussi c'est que quand elle ne sait pas, elle le dit, quand on ne sait pas, elle le dit. Elle n'essaye pas de sortir des théories derrière les fagots pour essayer absolument de remplir les trous. Non, il y a des choses, ça s'explique pas, ça ne s'explique pas. Alors en fait la construction, je l'ai un petit peu mieux comprise en avançant dans le livre, c'est-à-dire que comme il s'agit d'un lieu et non pas d'un criminel en général, elle s'est concentrée sur tout ce qu'il s'y est passé, mais pour qu'effectivement il y ait un rythme un petit peu plus agréable à la lecture, elle a alterné des parties où elle va développer sur l'un des criminels qui est connu par le biais du Cecil Hotel, ou en tout cas qui a séjourné, ou pour lequel il y a un lien. Et si c'est une affaire pour laquelle effectivement on sait pas mal de choses, ou on sait pas mal de choses sur la personne, elle va le développer. Ces parties-là sont alternées avec des faits divers, je vais les appeler comme ça, c'est-à-dire des parties très courtes, des passages très courts de tout ce qui s'est passé dans le Cecil Hotel. Donc on va avoir une partie sur les suicides, une partie sur les morts dont on n'a pas bien compris ce qu'il s'est passé, des choses entre guillemets paranormales, c'est-à-dire où c'est passé sous ces explications-là, alors que réellement on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, ça donne un rythme de lecture vraiment très très plaisant parce qu'on a des côtés denses, on a des côtés un petit peu plus légers. Enfin, je dis bien, attention, je dis léger, pas dans la thématique, hein, dans la façon d'expliquer les choses. Et c'était passionnant. Voilà. J'aime beaucoup, surtout quand ce ne sont pas des romans, mais justement des livres de ce type, des non-fictions, qu'on nous donne tous les éléments. J'aime bien qu'on aille jusque dans les marges, on nous donne tout de A à Z, et puis après on fait ce qu'on veut. Quand il y a des raisons, des explications, on a tous les éléments. Donc si on veut essayer de se documenter, de chercher des images, des choses comme ça, on peut. Et avec elle, son passif, avec ses études, avec elle, ce qu'elle comprend de la psychologie, puisqu'elle est psychocriminologue. On dit criminolo-psychologue ou psychocriminologue, je ne sais plus. Mais donc, effectivement, elle est toujours très versée sur la psychologie. Et ça, c'est vrai que c'est un point très, très intéressant qui évite de tomber dans le scabreux, mais qui, par contre, permet d'avoir un certain recul. Et plutôt que de baigner dans les horreurs, justement, d'essayer de comprendre. Ça, je l'ai déjà dit aussi, hein, mais comprendre, ça ne veut pas dire justifier. Attention, il y a beaucoup de gens qui confondent ces deux choses. Ce sont deux choses complètement différentes. Comprendre, c'est ce qui permet aux choses de ne pas forcément arriver encore, d'essayer de les éviter et d'essayer aussi de comprendre justement comment les traiter quand ça arrive. Donc ce sont des éléments quand même que je pense très importants, qu'on le veuille ou non, la société humaine, on est obligé de faire avec, et avec tous les cas de figure qui existent, y compris des cas extrêmes, parce que ils sont quand même là. Voilà. Donc de les comprendre, ça ne peut qu'aider justement à se essayer peut-être de développer des solutions, ou en tout cas un meilleur traitement de ce type de crime, de ce type d'événement. Voilà. Donc, en gros, j'ai absolument adoré. Je voulais quand même revenir sur un chapitre, le dernier. C'est pas un roman, donc il n'y a pas de spoil, hein. Qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Alors, je vais essayer de ne pas dire de conneries, mais la personne sur laquelle ça se penche, je crois que son nom, c'est Sam Damon, qui serait un artiste contemporain. Et je me rappelle justement quand j'avais vu sa vidéo sur le Cecil Hotel, elle était justement en train de parler de ce cas en particulier, qui est un photographe qui aurait séjourné dans cet hôtel et qui aurait pris des photos d'une adolescente de façon assez suggestive, en fait, dans toutes les pièces, dans tous les endroits où des choses violentes se seraient passées.
au Cécile Hôtel, il y a de quoi faire, ça fait beaucoup de photos. Et en fait, en faisant des recherches, donc je ne vous donne pas les détails parce qu'il va falloir aller lire le bouquin, mais en faisant des recherches justement sur ce personnage-là, au moment où j'avais vu la vidéo, bah, elle n'avait pas d'informations, elle n'arrivait à rien trouver sur lui, à part une page Wikipédia qui était écrite assez étrangement, un petit peu comme si c'était quelqu'un qui l'avait écrite sur lui-même. Et donc elle cherchait à comprendre si c'était un hoax, comment on dit ça en français, une blague. J'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit tout de suite, mais en fait, si c'est un faux, si c'est quelqu'un qui faisait une espèce d'autopromotion, si c'était un jeu, si c'était. Enfin bref, elle arrivait à trouver des éléments à droite, à gauche, mais rien de suffisamment concret pour savoir si oui ou non ça a seulement existé. Voilà. Or, dans ce livre, en tout cas, j'imagine que depuis qu'elle a fait la vidéo, elle a trouvé beaucoup plus d'éléments, entre autres justement aidée par les personnes qui regardent sa chaîne YouTube, qui eux-mêmes étaient capables d'aller chercher dans des domaines ou dans des lieux, dans des documents qu'elle, elle ne pouvait pas forcément vérifier de son côté. Et donc, elle a réussi à réunir un maximum d'informations. Et finalement, ce chapitre a beaucoup, beaucoup de choses qu'elle n'avait pas au moment où elle en avait parlé justement dans sa vidéo. Du coup, cette partie-là m'a beaucoup intriguée parce que c'était quelque chose de très neuf, de très, ben vraiment de très intriguant parce qu'effectivement, on en était un petit peu à juste aux prémices de cette histoire-là. Et voilà, donc du coup, effectivement, c'était, voilà, j'ai adoré en fait. Je vois pas trop quoi d'autre, qu'est-ce que je peux dire d'autre, puisque j'en avais déjà parlé la dernière fois. Est-ce que je peux vous dire les cas principaux dont elle parle, c'est-à-dire vraiment les parties très importantes, pas les petits faits divers, parce que là, on n'a pas fini, hein. Mais effectivement, elle se penche beaucoup sur l'affaire du Dahlia Noir, sur Jack Unterweger, qui était un journaliste qui en fait s'est avéré être un tueur en série, Richard Ramirez, qui est très connu, et donc effectivement ce fameux Sam Damon. Voilà, ce sont vraiment les quatre grosses affaires dont je me rappelle, j'espère que je n'ai pas zappé, mais sur lesquelles vraiment elles se penchent beaucoup, du coup, qui n'ont pas forcément trait que au Cecil Hotel, mais le Cecil Hotel étant une partie de leur vie. Donc forcément, voilà, ça a permis de développer beaucoup plus sur ces personnes-là. Je dois avouer que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu justement de livres sur des criminels, sur j'ai tendance plus à lire des articles, des choses comme ça. Bon, puis après Internet aide aussi, hein, mais quand j'étais ado, je sais que j'en avais lu beaucoup, j'avais lu pas mal de livres, j'allais dire de romans, de livres justement basés sur les biographies de ce type de personnes. Et oui, je sais, j'ai un pull tout pourri. Désolée, je faisais encore du, vous savez, du montage, vissage, machin. Bref. Au cas où vous vous posez la question pourquoi elle est sapée comme une clodo. Bref. Et donc du coup, effectivement, oui, je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre à part que c'était absolument passionnant. Sincèrement, je vous le conseille avec plaisir parce que, en plus, justement, par rapport à ce que je disais quand j'étais ado, j'ai trouvé que ça avait un recul qui rendait la chose beaucoup plus intéressante, y compris pour des gens qui ne sont pas forcément très versés sur ce type de sujet. Autre chose que je trouve intéressante, qui je pense n'a pas forcément été souvent fait, c'est le fait qu'elle se base sur un lieu plutôt que sur des personnes. Dans le sens où si ça avait été une biographie pour un criminel, ou ça a déjà été fait de nombreuses fois, j'imagine que ça n'a pas encore été fait pour tous, mais quand on fait la biographie d'un criminel, on ne peut pas faire autrement que de rentrer vraiment dans des détails super scabreux et de les ressasser malheureusement justement pour... Alors que... Disons que pour écrire tout un livre, forcément, bon, ben, c'est d'une certaine façon nécessaire. Le fait de se pencher sur un lieu, ça permet en fait d'aborder tellement de choses différentes. Ça a permis d'aborder des biographies, ça a permis d'aborder d'autres problèmes liés à la sécurité, liés à certains systèmes, liés aussi à la psychologie, non pas des criminels ou de ce type de personnes, mais à la psychologie de masse, à la psychologie qui nous concerne tous, c'est-à-dire des personnes de la société en général. Donc ça fait un livre, je trouve, très complet, pas seulement sur les Cécile Hôtel, mais sur... C'est une sorte d'étude psychologique autour de différents cas de figure. Voilà. Donc, bah, écoutez, s'il y en a qui l'ont dans leur palle, mettez-vous-y, hein. Et puis, si ce n'est pas le cas, et bon, forcément, il va y avoir un minimum de détails, mais c'est normal, ça fait partie du truc. Mais si vous arrivez à passer outre, sincèrement, c'est hyper intéressant. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous en dire. En plus, effectivement, elle passe aussi sur l'histoire du Cécile Hôtel depuis le moment où il a été construit, puisque c'est un hôtel maintenant qui a plus de, bah, qui a une centaine d'années. Donc, il y a aussi un petit côté historique, il y a un petit côté, et puis ça touche à l'art, ça touche, bah oui, avec le photographe en question. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez intéressantes. Bref. Puis sur le travail de la police. Bref, voilà. Qui peuvent faire parfois un travail merveilleux et puis d'autres fois, souvent à cause de problèmes administratifs ou
vous savez, de limites qu'il y a entre les administrations aux États-Unis, entre les États, et puis ici, au Japon, entre les préfectures. Enfin, il y a des pays comme ça où, effectivement, les choses ne sont pas mises en commun, et ce qui fait qu'on passe à côté de choses pour des cas qui sont quand même vachement importants. Donc voilà. Ben écoutez, en tout cas, si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que c'est pas vraiment un livre que j'ai vu beaucoup tourner sur BookTube, ou alors je l'ai peut-être raté. Et il me semble que plusieurs d'entre vous l'avez envisagé, soit l'avez dans votre palle, et si vous comptez le lire, ou en tout cas, bah écoutez, quand vous le ferez, n'hésitez pas à venir me donner vos impressions. Sur ce, je suis désolée, il y aura peut-être un bruit de fond, c'est ma machine à laver. Oui, je fais tout super tard aujourd'hui, mais encore une petite chose chargée. Et puis j'en profite quand même pour vous présenter Philibert, le philodendron, qui est le deuxième être vivant de l'appartement. Voilà, je me disais... J'ai pas la main verte à la base. J'ai essayé quelques fois quand j'étais ado, ça n'a pas marché du tout. Alors croisons les doigts que Philibert survive et qu'il devienne beau avec plein de feuilles et puis que j'en prenne bien soin. Je lui parle régulièrement. Alors j'espère que ça va marcher. Enfin aussi que je pense à lui mettre un petit peu de musique classique et de petites choses comme ça. Et puis bah, pourvu que j'arrive à le faire survivre Pépère quand même. Et puis donc voilà, bah écoutez, voilà, maintenant nous sommes deux êtres vivants dans cet appartement, ça commence à avoir un petit peu de vie, ça fait du bien. Et puis voilà, parce qu'on n'est pas encore dans la phase jardinage dans le balcon, hein, ça c'est... On n'a pas encore atteint ça, voilà, j'avance petit à petit. Allez, bah écoutez, je vous dis sur ce, à plus tard, et puis je vous récupérerai soit plus tard aujourd'hui, soit peut-être demain, parce que j'ai bientôt terminé aussi l'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc, donc ça arrive très bientôt. Coucou, bah écoutez, je vous récupère pour vous parler de L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc, que j'ai terminé, donc mon premier roman avec Arsène Lupin. Alors j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé l'installation de l'histoire en fait, qui est basée sur une prophétie macabre avec des signes, des choses en fait assez supernaturelles en fait qui faisaient que ça avait un côté où on avait beaucoup de mal à s'imaginer qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière, puisqu'il y avait vraiment très peu d'explications possibles pour en fait savoir qui était derrière tout ça, puisque Arsène Lupin, comme Sherlock Holmes, comme j'imaginais que effectivement derrière ce type de choses, il allait forcément y avoir quelqu'un. Et des choses réalistes au final, voilà. Donc le tout c'était de comprendre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance sur cette île, ce côté vraiment très 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 mystérieux. Je reviens pas forcément sur l'histoire puisque je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent, mais voilà, moi tout ce côté là, ce côté de la malédiction, de l'héroïne Véronique qui trouve effectivement des indices, des choses de quand elle était jeune, qu'elle seule savait et qu'elle retrouve en fait à travers un film qui est filmée en Bretagne, et ensuite elle va là-bas et elle se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui, par rapport à elle en fait, des indices par rapport à sa vie, par rapport à tout ça. Et voilà, c'était super intriguant. J'ai beaucoup aimé jusqu'à la dernière partie. Alors, malheureusement, c'est une lecture en demi-teinte. C'est-à-dire que je considère que c'est une bonne lecture, parce que justement, toute cette partie, effectivement, de mystère, de sincèrement, j'ai adoré, mais vraiment, quoi. Et même s'il y a effectivement des petites vieilleries dans l'écriture, comment dire, puisque c'est un livre, il me semble, qui a été écrit dans les années 30. Non, avant ça, qu'est-ce que je dis? Parce qu'en fait, c'était juste après la Grande Guerre. Parce que j'avais oublié la répétition multiple des Bosch et des machins dans le livre. Ça, c'était un truc un petit peu... je comprends, c'était en 1919, voilà. Alors je comprends par rapport à l'époque, mais c'est vrai que l'insistance dessus, j'avais envie de dire oui, bon, on a compris, t'as une dent contre les Allemands, c'est bon, c'est pas la peine de le dire 15 fois par page. Mais c'est vrai que sinon, en fait, le problème que j'ai eu, c'est que c'est devenu un petit peu du grand guignol à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire que, oui, on résout l'histoire, on nous donne des explications. Certaines étaient intéressantes, faut pas croire, mais la façon avec laquelle c'est fait, la façon avec laquelle c'est développé et l'arrivée d'Arsène Lupin, en fait, je trouve, a donné un côté clownesque à une histoire qui ne s'y prêtait absolument pas. Et le côté aussi un petit peu super-héros qui vient... Et qui en fait torche tout en deux secondes, genre « Ah mais oui, mais c'est parce que si et ça, mais bon sang, mais c'est bien sûr. » Alors je sais très bien que ce type d'enquête, surtout à cette époque-là, c'était un petit peu comme ça que ça se passait. Il y a toujours
le super intelligent qui est justement le héros du livre, qui vient et puis qui règle tout en deux temps, trois mouvements. Mais là, c'était vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que personne n'a rien compris, personne, et puis il arrive en fait avec des explications super tirées par les cheveux. Et du coup, si à la limite il y avait une certaine logique, un certain, mais c'était tellement tiré par les cheveux, et le gars, il a résolu ça sans même connaître le contexte, sans même connaître les personnes. Donc c'est un petit peu comme si tout lui était tombé dans le bec et qu'il s'est dit ah mais oui bah tiens bah ça doit être à cause de ça. Et puis voilà. Et puis donc moi personnellement j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Ça m'a sorti du livre. Le côté vraiment clownesque et ridicule de certaines situations, c'était peut-être pour faire de l'humour, mais pour le coup, je trouvais que ça collait pas du tout avec avec l'histoire, la façon avec laquelle c'était amené, la façon avec... j'ai trouvé que ça, voilà, ça accrochait pas. Et donc du coup, voilà, pour moi, c'est une lecture en demi-teinte parce que j'ai beaucoup aimé une partie, beaucoup moins une autre. Donc je ne peux pas considérer que c'est un mauvais livre, loin de là. Parce que j'ai vraiment passé un super bon moment. Et puis bon, bah à la fin, c'est un petit peu merdouillé. Bon, ça arrive. Je ne sais pas du tout ce que valent les autres livres de Maurice Leblanc, parce qu'il me semble bien que c'est le premier de lui que je lis. Après, il y a beaucoup d'auteurs qui ont des noms associés à des couleurs. Et j'ai tendance à les mélanger. Donc, il me semble bien... Voilà, parce que j'ai tendance à le confondre avec Gaston Leroux, qui est l'auteur du Fantôme de l'Opéra, que j'avais beaucoup aimé. Je cherche hein, en même temps, je réfléchis pour être sûre de ne pas dire de conneries. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que quand il y a des couleurs là dans les noms de famille, au bout d'un moment, je me mélange un petit peu. Je suis persuadée de ne rien avoir lu d'autre de Maurice Leblanc. Donc si vous connaissez d'autres de ses romans, d'autres, parce que c'est vrai que cette première impression m'a vraiment beaucoup plu. Donc de voir si c'est quelque chose qui est récurrent dans ses romans ou si justement c'est quelque chose qui est un petit peu à part et que ses autres romans ont une touche différente, un ressenti différent, j'avoue que ça m'intéresserait bien de le savoir. Voilà. Ben écoutez, je pense que ce sera suffisant pour boucler ce vlog. Et ben écoutez, je vous ai montré pas mal d'images de Cerisier, le Compilasan, Okayama. Et puis écoutez, on va finir cette vidéo juste avec quelques petites images de Takamatsu, parce que c'est quand même là que j'habite. Et qu'il faudrait que je commence à vous montrer ça un petit peu, mes petites balades. Voilà, ben écoutez, en tout cas je vous souhaite de très très bonnes lectures. J'ai commencé un livre pour le mois de la science-fiction qui, ma foi, démarre plutôt très très bien et dont j'ai hâte de vous parler. Parce que c'est en train de me remettre, enfin ces derniers livres en général, hein, déjà le livre de Sonia Liu, mais je suis en train, je sens, de revenir au plaisir de la lecture, de vraiment rentrer dedans et de vraiment avoir envie, dès que j'ai quelques minutes, de me plonger dans des histoires. Voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt, et puis sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à les likes, abonnements si vous n'êtes pas abonné, et puis un petit commentaire surtout, parce que ça fait toujours plaisir de partager les lectures, mais ça, vous le savez déjà, et puis sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.